Shalom, shalom. Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier en cette date d'aujourd'hui, 19 juillet 2018, depuis Paris, le prophète Joël Crasso en direct sur la chaîne appelée la chaîne des mystères. Hier, on n'a pas pu, continuer de déballer certaines choses par rapport à, un problème de connexion. J'ai pu régler ça par la grâce de Dieu. Je salue tous les combattants qui sont en ligne de la brigade anti-sorcier, Nathalie Nguessan, Ludovic, Chastano, Donny Champion, Sarima, ma fille, Gidas depuis Brésil. Brésil, ouais, les Brésiliens, shalom à vous. Fanta, Bamba, David, Meling, shalom. Florent, Choco, shalom. Evelyne, shalom. Ludovic, le général. Général, bon, il va progresser dans les étoiles ou on diminue les étoiles. Général, tes étoiles, je danse à la fin. Meite, shalom à vous. Meite, Rodrago, shalom. Tous les combattants sont là. Ma fille de Bordeaux, Marie Jacqueline, shalom à toi. Tout le monde en ligne, tout le monde. Ben de Miami. Ouais, Ben Sagou. Voilà, Ben Sagou qui vient d'arriver de Miami. Il a fait 26 heures de route. 26 heures, je vous précise très bien, Ben. 26 heures, j'ai suivi son parcours. 26 heures de route depuis Texas. Le frère, il souffrait du goumentisement parce que sa femme est au Texas. Voilà, sa femme, elle s'est bien préparée. Il avait un goumet grave de manger le sioko et le djumblé et la bonne sauce. Carpe, merou, les poissons, vous voyez, capitaine, là, avec la chiquée. Voilà, donc il allait au Texas. J'ai vu que mon élément est devenu en forme. Voilà, donc bien entré à Miami, Ben Sago, Sakou plutôt. Voilà, partagez les vidéos, commencez à partager les vidéos parce que c'est vraiment important, c'est important d'informer les gens sur beaucoup de choses. On aura beaucoup de choses à voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vous salue, je vous aime très bien. Shalom à vous. Voilà, je suis le prophète Tom Sawyer. Tom Sawyer, on doit te connaître. Depuis là, tu es Tom Sawyer, tu es caché, on ne sait pas. Mais merci, merci aussi parce que depuis ta base là-bas aussi, tu nous suis. Voilà, Jean-Roch, shalom à toi. Voilà, ensemble, voilà. Tom Sawyer, la ligue de la Réunion. Voilà, donc c'est un peu ça. Commencez à vous connecter. Je salue tout le monde. Tatiana, Nathalie, depuis l'Italie. De retour en suspens. Ouais, comme ça, shalom. Ma fille, Herbie, de Cotonou. Je viens partager en cette... Ouais, partager. L'heure est dangereuse actuellement, très grave. Nous allons essayer de voir beaucoup de choses aujourd'hui. Geneviève Kra, voilà, shalom, la brigadière.
Partagez. Flora Seca, shalom à toi, ma fille. Patrick Fongé, shalom. Ouais, shalom, ma fille. Christian, shalom à toi. La photocopie de du général. En fait, beaucoup. Shalom, partagez. Quand vous êtes en ligne, commencez déjà à partager. Partagez déjà la vidéo. Commencez à partager la vidéo. J'attends pas mal de personnes pour démarrer. Ben voilà, en Zouglou Gospel. Hein. Je suis le maréchal, le prophète Joël Crasso. Je déclare, je prophétise sur toi. Ouais. C'est ton année. La gosia ziliwao. La gosia ziliwao. Non, la gosia ziliwao. 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 La dent du salut. Ma peruo, ye dodo, alléluia, la gauzio, ye. Ma peruo, ye dodo, alléluia, la gauzio. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. Ah. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort. Toi. Plus fort que les cœurs. Mon Dieu est plus fort. Quoi? J'étais malade, je suis allé voir. Ah bah allez oh. Diom Gouran, shalom. Partagez, partagez. Marie-Florence Kalou, voilà, shalom. Des mois passés, je n'ai pas été guéri. Mais quand j'accepte Jésus, Jésus qui m'a délivré. La gosia ziliwaou. Oh la gosia ziliwaou. Ziliwaou, ziliwaou. Yeah, ziliwaou, ziliwaou. Voilà, Ziliwa, c'est le Dieu est plus fort que les marabouts, le Dieu est plus fort que les féticheurs. Ziliwa, le Dieu est plus fort que Zili, c'est les féticheurs. Ziliwa, c'est les marabouts. Ziliwa, c'est ceux qui adorent, qui sont toujours en train d'adorer le diable. Le Dieu que je prie est plus fort que tout cela. Le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
que j'adore est plus puissant que tout ça. Voilà, Zili, ouais. Donc c'est ça. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu dans la vie des gens. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la puissance de Jésus-Christ. C'est ça la puissance de notre Dieu. Voilà, donc shalom à vous. Vous qui venez de me prendre en ligne. Shalom à vous. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la puissante main de Jésus-Christ vous visite. Que la main de Dieu soit sur vous. Recevez toute la grâce de Dieu. Recevez la puissance de notre Dieu sur votre vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, la toute dernière version de la. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Voilà la dernière version. Le tout dernier prophète Joël Crasso. Ça, c'est le tout dernier. Lion de la gamme, et la goye moisin. Prophète Crasso, la goye moisin. La goye moisin, et la goye moisin. Ma peau. À partager. À partager. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Joël Crasso, appelé communément le maréchal de la brigade anti-sorcier depuis Paris. Voilà, suivez ce direct, c'est vraiment très important. Il y aura beaucoup de révélations, il y aura beaucoup de choses à dire qui vont vous édifier, qui feront du bien et qui dérangera le royaume de Satan, évidemment. Parce que quand le peuple de Dieu est édifié, Satan est inquiété. Seigneur, merci, parce que nous allons parler des choses. Donne-moi l'inspiration. Enfin que ton peuple puisse être édifié au travers, n'est-ce pas, de tout ce qui sera dit. Seigneur, que ta puissante main soit sur moi et amène-moi, Seigneur, n'est-ce pas, utilise-moi efficacement afin d'édifier et construire la voie de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus que je prie, on dit Amen. Voilà, je suis le prophète Joël Crasso, je vous parle depuis Paris, voilà où je réside actuellement. Que le Seigneur vous bénisse là. Parce que hier, on devait parler et il y a eu un souci de connexion, j'ai pu remédier à ça. Par la grâce de Dieu, tous ceux qui sont sur le forum le savent très bien que nous sommes dans un moment important. Et aujourd'hui, ça fait le troisième jour de prière. Également, le prophète aussi dedans, hein, le troisième jour de prière. Gloire à Dieu. Chacun en train de prier pour que Dieu le restaure. Chacun en train de prier pour que Dieu l'enlève d'une situation quelconque. Chacun en train de prier parce qu'il vient un événement voilà, qu'il a besoin, n'est-ce pas, d'être restauré. Shalom à toi, Denise. Voilà.
Voilà, Denise, qui est la présidente des femmes de l'Église Pentecôte Authentique Internationale depuis Divo. Voilà, Peniel de Divo. Voilà, donc je passe aux annonces qui est important. Je vais commencer par, directement par les annonces. Je parle déjà. Les Landes, j'ai eu le visa. Merci. Des longs séjours. Merci aux Anglais. Parce que comme je disais hier dans ma vidéo, quand un pays vous donne un visa, c'est que le pays vous approuve. Vous voyez? Le visa des États-Unis, c'est ils prennent le passeport. S'ils ont pris le passeport, c'est qu'ils te mettent le visa. S'ils ont, ils t'ont redonné le passeport, c'est qu'ils ont, ils ont refusé. Donc, un mois avant, il y a un check-in qu'on fait sur le site, je parle des États-Unis. Et après ça, il y a un rendez-vous qu'on appelle une interview. On te fait une interview, on prend le passeport, c'est que ça a été OK. Si on a refusé le passeport, c'est que tu n'es plus crédible de rentrer sur le territoire américain. J'ai eu un visa américain, un an. Des visas américains, je suis parti, je suis revenu, j'ai fait des tours aux États-Unis. Bon, bref, voilà, Dieu merci, je défile ici constamment. Il me fallait maintenant partir sur l'Angleterre. Voilà, parce que l'Angleterre, les Anglais ne sont pas dans le Schengen, ils ne sont même plus maintenant dans l'Union européenne. Donc, on attendait. On a essayé de payer, n'est-ce pas, priority, c'est-à-dire que 5 jours, et par la grâce de Dieu, ils ont commencé à checker. Et le checking a pris 14 jours. Voilà, ça a pris pratiquement plus, des jours plus que prévu. Voilà, et on m'appelle. Parce que moi, je devais partir en Suisse. Je suis allé prendre mon passeport. On me dit, on me demande pourquoi. Je dis, mais moi, je suis un homme qui voyage. Je ne suis pas un homme qui est là, qui va attendre les visas. Effectivement, je ne suis pas un homme qui est là pour attendre. Donc, je prends mon passeport parce que je vais aller faire baptiser les gens. Je suis parti. Et on m'appelle pour dire, viens déposer ton passeport parce que tu auras le visa. Donc, j'ai déposé. Ils m'ont mis le visa. Ils m'ont mis le visa de long séjour. Ça dit, multiple entrée partout dans le monde. Je suis partout. Je peux rentrer en Angleterre, partout. Mais vous savez, quand les gens prennent le visa, ils ont savoir qui est le prophète Crasso. Voilà, l'état civil, c'est Crasso, Dioro, Joël, Shalom. Il faut un checking pour voir réellement qui est ce monsieur, qui il est, est-ce qu'il est vraiment crédible, est-ce qu'il mérite de rentrer sur nos territoires. Les Anglais ont le passe de, n'est-ce pas, le visa le plus compliqué. Ils ont mis le visa dedans. Voilà. Voilà, j'aurais appris que les gens disent, ah non, le prophète ne va jamais venir à Londres, il ne viendra pas. Il y a longtemps, il a annoncé Londres, depuis Londres. Mais Londres, là, c'est chez vous, bien. Londres, là, est-ce que c'est chez vous? Les pasteurs, les gens, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de moi. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème avec le prophète Crasso? Pourquoi vous avez peur? Et je suis un mangeur de tikliti à la base, à la saugrain, le riz. Vous avez peur d'un monsieur comme ça? Vous mangez pizza? Vous mangez pizza? Moi, je mange sokrala, je mange djumblé. Je suis au village. Je ne suis même pas à Abidjan. Je ne suis même pas bizarre. C'est eux qui mangeaient pizza. C'est eux qui savaient manger les pizzas. Quoi encore? Hamburger. Nous, on mangeait garba. Avec poisson thon. On mangeait riz couché. Mais c'est un monsieur point qui vient et vous inquiète. Pourquoi? Mais point d'interrogation, ça veut dire que ce qui est en lui n'est pas en vous. Voilà, c'est tout. Il vit au village. Je suis un blédard, un villageois. Voilà, un villageois. Et c'est un premier gaou à Londres. C'est ma première fois. Donc, le premier gaou, il sera à Londres. Voilà, j'arrive à Londres à partir de ce 24 là, mardi 24. Je salue ce comité d'organisation qui a été, n'est-ce pas, oui, c'est vrai, les gens sont venus, les influencer, sont restés fermes dans leur position. Nous croyons en ce monsieur. Il est une bénédiction pour l'Afrique. Nous croyons en ce monsieur. Voilà, nous croyons à ce monsieur. J'ai dit merci, n'est-ce pas, à ces personnes qui sont restées fermes dans leur décision. Voilà, Sylvie Zoku, merci ma fille. Ah, cette fille-là. Dieu te donne un homme qui va te prendre au sérieux. Cette fille-là, Sylvie Zoukou, la fille-là, non. Cette année-là, avant que l'année ne finisse, parole de prophète, tu rencontreras l'homme de ta vie. Un homme qui va t'épouser, un homme qui te rendra heureuse, un homme qui va te positionner. Voilà, parce que tu t'es battu, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu. Tu t'es battu pour ça. Aïdara, tout le monde d'ailleurs dans ça. Dès que j'arrive, commence à prophétiser sur vous. Dès que j'arrive, commence à prophétiser sur vous. C'est important. Parce que chacun a son onction. Chacun est en son onction. Vous avez peur d'un homme comme le prophète Crasso. Pourquoi? Ils veulent dissuader. Non, laissez-le, il ne viendra pas. Pourquoi vous l'invitez ici? Mais à Londres, là même, il y a des temples de franc-maçonnerie. À Londres, pourquoi ça ne vous dit rien? Hein? J'arrive à Londres. Si les francs-maçons, ils ont des temples là-bas, pourquoi vous, ça ne vous inquiète pas? Vous êtes en l'aise. Mais le prophète est mangeur de Kplala. Je mange Kplala. Un mangeur matin de riz couché. C'est celui-là qui vous inquiète. Et je ne suis même pas à Abidjan.
Je suis à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, d'Ivo. Mais Dieu est passé par moi pour transformer, n'est-ce pas, transformer ce territoire où j'avais des mangeurs d'âmes. Dieu m'a soutenu, m'a aidé à transformer cette localité. Encore, le Seigneur va m'utiliser. Voici ce que je fais à fond propre. C'est-à-dire l'argent que j'ai aujourd'hui, je ne vis que pour les autres. Et le président Sekou, hier, dans sa vidéo, il fait une déclaration de fin d'année. Parce que nous, les enfants sont en vacances. Nous avons investi plus de 19 millions, n'est-ce pas, pour entretenir, pendant une année, 19 millions pour entretenir les enfants. Des enfants abandonnés, des enfants rejetés, les enfants, n'est-ce pas, auxquels qu'on ne considérait pas, qu'on ne considérait pas, qu'on avait mis dehors. Nous avons récupéré ces enfants, nous avons mis dans un endroit construit, nous avons, n'est-ce pas, mis une infirmière, aide-soignante, n'est-ce pas, la cantine, c'est-à-dire un restaurant, les enfants mangent matin, midi et soir, on les a scolarisés. Je suis allé payer leurs cours, n'est-ce pas, au privé, n'est-ce pas. Aujourd'hui, ils sont devenus meilleurs, n'est-ce pas. Ils ont eu des tableaux d'honneur, n'est-ce pas. Voici au-delà, n'est-ce pas, de prophète que je suis. Voici ce que je fais, parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Jésus dit, si vous voulez ne croyez pas à moi, mais croyez au moins à cause des œuvres. Les œuvres sont là. Les œuvres sont là. Les enfants aujourd'hui, allez-y à Divo, c'est un témoignage palpable. Je n'ai jamais murmuré. J'ai toujours compté sur ma foi. Nous allons célébrer ça quand je vais rentrer. Nous célébrons ça d'ailleurs. Vous pouvez parler, vous pouvez tout dire de l'homme. Mais ce que j'ai fait là, il y en a combien qui le font en réalité? Une année, 19 millions. Mais ces 19 millions, je pourrais le prendre pour manger. Je pourrais le prendre pour, n'est-ce pas, vivre moi-même ça. N'est-ce pas? Voilà, je pouvais, n'est-ce pas, utiliser ces 19 millions-là, n'est-ce pas, pour m'acheter des belles voitures. 19 millions, acheter une belle voiture ou bien commencer à construire des maisons. Mais pour moi, construire une vie, c'est la meilleure. Construire une vie, s'investir dans une vie, il n'y a pas plus de grandes bénédictions que ça. Regarder un enfant qui souffre, un enfant abandonné, le récupérer, construire sa vie, c'est ça, c'est une valeur. Pour moi, l'être humain a une valeur. Et pour moi, la vie n'a pas de prix. Donc, je m'investis, n'est-ce pas, pour apporter, n'est-ce pas, dans la joie, dans le cœur d'un enfant. J'ai mal quand je vois un enfant en train de souffrir. J'ai mal quand je vois des gens en train de souffrir. Il faut s'investir dans la vie des gens. Et donc, je m'investis, n'est-ce pas, Voici, aujourd'hui, on fait le bilan, c'est 19 millions qu'on investit cette année, n'est-ce pas, pour aider ces enfants. Bientôt, sont en vacances, ils auront pour la colonie de vacances. Ces enfants ne sont ni mes enfants biologiques. Non, mais par amour, parce que j'aime l'homme, c'est ça. Mais en réalité, quand tu es homme de Dieu, il faut aimer. En réalité, quand tu es chrétien, quand tu penses que tu as la crainte de Dieu, il faut aider les gens que Dieu les détruit. Quand on connaît Dieu, on aide les gens, on ne les détruit pas. Voilà, c'est pour ça que vous n'allez jamais me voir sur les réseaux sociaux, aucunement en train de vilipender. Je n'ai jamais insulté un pasteur à Abidjan, je n'ai jamais dit aux gens qui était le meilleur pasteur ou le prophète de la Côte d'Ivoire, bien que je sois l'homme le plus connu, parmi les hommes de Dieu les plus connus de la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais lancé un discrédit sur un pasteur, ni en Côte d'Ivoire, ni ici à Paris. Je ne fais pas de la rivalité en insultant un pasteur à Paris. Non, je suis dans mon coin en train de travailler parce que j'ai la crainte de Dieu, je respecte l'homme. Voilà, je respecte l'homme parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et c'est cela que chaque jour que Dieu fait, je partage mon pain quotidien avec mon prochain. Je suis là en train de partager mon pain quotidien, mon prochain. Je suis arrivé à Divo, bientôt 5 années. J'ai pu construire un orphelinat, comme Dieu le dit dans sa parole. Souvenez-vous des veuves et des orphelins. Mais il y en a combien qui le font? Il y a des gens qui ont de grandes églises. Moi, je n'ai pas encore construit. C'est très bientôt, je vais construire l'église de 2000 places. Il y a des gens qui ont des grandes églises, mais ils n'ont jamais construit un orphelinat. Parce que moi, je comprends aujourd'hui, l'orphelinat, ce n'est pas facile. Une chose, c'est de construire, mais encore, c'est de prendre soin. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Prendre soin d'un orphelinat, vraiment, c'est coûteux. Vous voyez, le bilan du le président Sekou, qui est le vice-président de la Fondation Prophète Joël Crasso. Voilà, donc je tenais à dire merci aux autorités ivoiriennes pour ça, qui nous a donné en une année rapidement un agrément. Donc on a un agrément par la grâce de Dieu et nous fonctionnons dans l'égalité. Voilà, malheureusement, on n'a pas encore de subvention, mais nous fonctionnons en main propre, c'est-à-dire à fond propre.
C'est ce qu'on gagne, ce que je gagne, n'est-ce pas, avec mes affaires, mes activités. C'est ce que j'investis chaque jour, chaque mois, pour le salaire des gens, pour le bien-être des enfants, le prendre en charge, leurs vêtements et tout ça. J'en profite et dis merci aussi à ceux, chaque mois, qui nous aussi apportent de l'aide. Ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont à Londres, ceux qui sont à Paris, partout dans le monde, qui nous viennent en aide, n'est-ce pas, qui regardent cette génération. Parce que nous sommes en train de préparer une génération future. Les enfants, si nous les laissons dans la rue, ils seront demain des délinquants. Ils vont se retourner contre nous, vont nous macheter. Pour éviter ça, il faut commencer déjà à les éduquer. Et donc, dans le centre, nous commençons à préparer des valeurs. N'est-ce pas? Nous disons aux enfants que vous devez respecter les êtres humains parce que nous allons apporter les valeurs de Dieu. Ces enfants qui nous sont en train d'encadrer aujourd'hui. Et nous encourageons aussi ces enfants aussi dans leur entourage, c'est-à-dire à l'école, avec le contact qu'ils ont avec leurs amis de classe, tout ça, qui partagent cette valeur pour dire l'être humain est créé à l'image de Dieu. Aucunement, qu'il ne puisse pas, n'est-ce pas, poignarder un enfant, un être humain, voir son sang couler. Il faut enseigner ça aux enfants dès le bas âge. Il faut commencer à leur donner cette valeur-là pour dire qu'il doit avoir la crainte et d'avoir peur, n'est-ce pas, de toucher même la vie d'un être humain, n'est-ce pas, de faire couler le sang, n'est-ce pas. Donc, nous avons reçu par la grâce de Dieu à faire beaucoup de choses. Voilà, voici la valeur. On dit même si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres. Voici les œuvres, voici les œuvres. Voilà, vous pouvez parler, mais voici les œuvres. Voilà, il y a des gens par jour, c'est des millions qui reçoivent. Par jour, c'est des centaines de milliers dans leur église, Mais ils sont spécialisés d'insulter les gens. Nous, on n'insulte pas les gens. Nous travaillons sur le terrain. Et pour nous, c'est ça l'œuvre de Dieu, c'est de œuvrer et d'apporter, n'est-ce pas, de l'aide, n'est-ce pas, aux enfants. Donc, voici ça un peu le bilan dont je dis merci. Le prophète Crassos, c'est une fondation qui lutte aussi, Seigneur, pour la scolarisation des enfants, n'est-ce pas, pour ramener les enfants, si, n'est-ce pas, le chemin de l'école. Voilà donc le chemin de l'école. Dieu merci. Par la grâce de Dieu, on essaie de ramener les gens sur le chemin de l'école. Gloire à Dieu pour ça. Et j'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui nous ont soutenus durant une année. Voilà, pour amener, n'est-ce pas, la gaieté dans le cœur des enfants. Gloire à Dieu pour vous. Donc, je disais que j'arrive à Londres le mardi. Ce mardi, je serai à Londres dans la soirée. Mon vol d'école très tôt le soir. Et je serai à Londres, je crois, à partir de 20h là-bas. Voilà, à Londres à 20h. Et 20h, heure de Londres, heure de l'Afrique. Gloire à Dieu. Et puis bon, Dieu merci. On sera déjà à partir du mercredi. On va commencer à voir, visiter un peu Londres. Et à partir de, n'est-ce pas, de... Eh bon, on fera le programme le dimanche. Je donnerai tout le programme par la grâce de Dieu. Voilà, donc je serai de retour le 28 sur Paris. Voilà, je serai de retour le 28 sur Paris. Donc, Dieu merci. Voilà, pour l'heure, tout va bien. Tout va bien à merveille. Voilà, ce qui est important, c'est que Dieu est bon. Ce qui est important, c'est que Dieu est merveilleux. Ce qui est important, c'est que le Seigneur est Dieu. Ce qui est important, c'est que Jésus-Christ reste Seigneur, Jésus-Christ reste Dieu dans sa souveraineté, dans sa puissance. Il reste toujours Dieu. Voilà, il reste toujours Dieu. Le témoignage est là. Allez-y à Divo. Vous allez voir le travail qu'on essaie de faire par la grâce de Dieu. Ce qu'on a fait de faire à soi par la grâce de Dieu. Parce que c'est ça, c'est les œuvres. On dit la foi sans les œuvres, elle est vaine. Voilà, on ne peut pas faire œuvre de Dieu sans les œuvres. Et vous allez voir que la plupart de ceux qui sont à Divo, vous le savez très bien, la dernière fois, il y a la délégation des hommes de Dieu qui sont venus à Divo. Les gens sont partis, ils ont dit, ici c'est difficile parce qu'à Divo, si on a trop eu comme offrande, c'est 8000 francs. Voilà, qu'on fait comment? Et les gens ont dit, mais le prophète Crassos, il est aussi avec vous à Divo. Voilà, il fait comment? Je suis parti de rien, mais avec la foi, avec ma détermination, avec l'amour, de gagner des âmes pour Christ, je suis arrivé à ce stade aujourd'hui, à construire, n'est-ce pas, investi plus de 27 millions, et vous voyez, par an déjà, 19 millions par an, en train d'investir 19 millions, c'est-à-dire 19 millions chaque année, une année déjà passée, 19 millions dedans, et chaque année, ça sera comme ça, 19 millions, et plus, puisque on aura encore d'autres enfants qui vont venir encore cette année, nous sommes en train d'étudier les dossiers des enfants qui seront encore à la fondation. Voilà un peu, voici un peu le combat que nous menons par la grâce de Dieu. Donc, quand vous ne pouvez pas aider quelqu'un, ne soyez pas à mesure de le détruire. Voilà, ne soyez pas à mesure de le détruire. Il vaut mieux aider les gens que de les détruire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous avons donné tous nos cœurs, nous avons donné de tous nos moyens, nous avons donné de tout pour aider les gens aujourd'hui. Voilà, donc Dieu bénisse, n'est-ce pas, tous les donateurs de la fondation. Et merci ceux qui nous soutiennent aussi dans la prière. Et je confirme que moi, je serai bel et bien à Londres. Et c'est confirmé, je serai bel et bien à Londres à partir du mardi. J'arrive à Londres. J'ai mon visa.
Voilà, ceux qui pensaient que c'était un rêve, c'est une réalité. Arrêtez de rêver, arrêtez de prier. On n'a plus d'en faire des prières. J'ai déjà mon visa, j'arrive à Londres. Dieu merci. Gloire à Dieu. Nous allons encore aller là-bas à Londres, prier pour des gens. Non seulement le comité d'organisation, nous allons en profiter aussi, prier pour des gens. Tous ceux qui viennent me voir à Londres, tous ceux qui me voient à Londres, je ne sais pas dans quelle ville je m'en vais. On dit Londres, c'est Londres. Je ne sais pas si c'est Londres, c'est comme Paris, ou on dit 18e, 16e. C'est ma première fois. C'est quand j'arrivé à Londres, là, j'ai regardé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Voilà, bientôt sur la Fondation Centrafrique, vous voyez, ça c'est une bonne idée. Bientôt à Centrafrique, bientôt dans beaucoup de pays, au Cameroun aussi. Voilà, Cameroun que j'aime bien Cameroun. J'ai des personnes aussi très chères au Cameroun. J'ai des personnes qui m'écoutent très chères qui sont du Cameroun. Voilà, donc j'aurai l'occasion de faire la Fondation, n'est-ce pas, permettre à ces personnes de bénéficier de mon expertise. Créer ça permet aux gens d'aider les enfants camerounais, voilà, les centrafricains aussi, n'est-ce pas, au Mali et tout ça. Mon retour pour la Côte d'Ivoire, quand? Bientôt. Voilà, bientôt, je vais annoncer ça. Voilà, discrétion oblige, très bientôt, je vais annoncer ça. Je vais annoncer ça. Quand vous allez me voir dans l'avion, c'est ça. Mais c'est très bientôt. Vous me voyez dans l'avion, c'est ça. Mais je ne suis pas là pour longtemps, il y a la convention. J'en profite aussi pour annoncer aussi la convention qui aura lieu à partir du 16 au 19. La convention aura lieu à partir du 16. Du 16 au 19 août. Du 16 au 19 août à Divo. Nous aurons beaucoup de choses par la grâce de Dieu. L'intervention des grands hommes de Dieu qui viendront. Nous allons avoir beaucoup de moments de prière, de restauration, de délivrance. Il y aura beaucoup de choses. Nous allons échanger sur l'avenir de l'Église. Nous allons partager, n'est-ce pas, beaucoup d'expériences en matière de business d'agro, n'est-ce pas, alimentaire, agro-business, comment aller cultiver la terre pour nous rapporter de l'argent, comment investir la diaspora et tout ça. Nous verrons ça par la grâce de Dieu durant cette convention. Voilà, convention. Commencez déjà. Nous avons commencé déjà à mettre les hôtels de Divo. Commencez déjà à bloquer tous les hôtels de Divo parce qu'il y aura un grand monde. Il y a beaucoup déjà qui appellent. Beaucoup déjà de gens. Le Cameroun, c'est très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Comme je disais, on aura l'occasion de vous annoncer le Cameroun aussi très bientôt. C'est un pays qui me coûte cher. Comme je disais, il y a aussi des personnes importantes qui me coûtent cher, qui sont aussi du Cameroun. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Recevez toute la grâce de Dieu. Voilà, donc la convention, c'est du 16 au 19. Tout Abidjan est invité. Toute l'Afrique est invitée. Toute l'Europe. Tous les États-Unis. D'ailleurs, Ben Sako arrive quelque part, il arrive très bientôt, la semaine prochaine. Toute une délégation déjà descend là-bas. Shalom à vous, que Dieu bénisse. Pour le Canada, c'est tout très bientôt. Voilà. Voilà, le Canada, c'est très bientôt, par la grâce de Dieu. Voilà, donc voici, je veux le baptême. Nous avons un baptême ce week-end, c'est-à-dire après-demain, le samedi, à partir de 15h, nous prenons un quart. Nous prenons un quart, il y a plus de 30 personnes qui seront baptisées. Nous prenons un quart et à partir de ce quart, nous allons nous rendre à Cergy Pontoise, pour faire le baptême de ceux qui ont décidé, n'est-ce pas, de faire le baptême. Nous allons baptiser et il y aura aussi barbecue, voilà. Dans ce baptême qu'on fait, il y aura barbecue, donc il y a une cotisation. Vous appelez seulement le 00 300 337 62 40. 40 24 84. Il faut une contribution. Le cas n'est pas gratuit. Je précise très bien, le cas n'est pas gratuit. Vous envoyez votre contribution, vous appelez et vous envoyez votre contribution, parce que non seulement nous allons payer le cas et en même temps nous allons aussi manger un peu. C'est important, ça délivre les gens. Nous allons aussi manger un peu. Donc le roi baptême, c'est le premier baptisé de l'église pentecôte authentique de Paris, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que tous les dimanches, il y a le culte à partir de, il y a le culte à partir de 14h maintenant, de 14h à 20h. De 14h à 20h. De 14h à 20h. De 14h à 20h. Nous aurons, n'est-ce pas, un culte. Et ce culte-là, ça sera vraiment quelque chose de puissant. Nous allons prier pour les malades, envoyer tous ceux qui ont tous sortes de maladies. Nous allons commencer à prêcher, parler de. Les démons et les œuvres, c'est une école. Vous savez très bien que là où je suis, j'apporte une école. Ne manquez pas ce dimanche à donner un enseignement de taille. Excusez-moi, on vient de m'appeler, je viens de couper. Je commence à donner un enseignement de taille, les démons et les œuvres.
nous allons, n'est-ce pas, voir comment les démons entrent dans le corps d'une personne, comment elle se manifeste, comment chasser un démon. Lorette, shalom à toi, ma fille. Comment chasser un démon d'un corps, comment délivrer des gens. Vous comprenez? Gloire à Dieu pour ça. Le baptême, n'est-ce pas? Donc, dimanche, on a parlé de beaucoup de démons, n'est-ce pas? Je vais revenir encore là-dessus ce dimanche-là. Vous parlez de beaucoup d'esprits à la fois. Vous allez comprendre que la plupart des gens sont possédés. Ils ratent leur foyer, ils ratent leur opportunité, ils ratent des bénédictions parce qu'ils sont animés d'un esprit, n'est-ce pas? D'un esprit. Voilà, donc nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de voir tout ça par la grâce de Dieu. Ça, c'est le dimanche. Voilà, donc tout le monde est invité, Stéphane, Leblanc, tout ça. Shalom à toi, tu es en ligne là, shalom à toi. Donc tout le monde, soyez là. Voilà, c'est la fête de tout le monde. C'est aussi, ce dimanche, là aussi, on aura aussi un agapé au culte parce que c'est les baptisés. On aura aussi un gâteau aussi à partager avec les nouveaux baptisés. On aura aussi la Sainte-Seine et tout ça ce dimanche-là. C'est vraiment quelque chose de puissant. On aura aussi le Zouglou Gospel puissant à ce culte-là du dimanche. Voilà, ça serait, on va libérer, on va danser pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de quelque chose de païen. Voilà, voilà, donc gloire à Dieu. Voilà, tout le monde doit être là par la grâce de Dieu. Ce dimanche-là, c'est vraiment un dimanche très puissant. C'est un dimanche merveilleux, comme je disais. Voilà, donc la gloire revient au Seigneur. Désormais, nous avons une église. Tous ceux qui veulent me voir, que tu sois en Europe, tu as envie de me voir, il faut te déplacer. Tous les dimanches, de 14h, n'est-ce pas, à 15h, de 14h à 20h, voilà, à 20h, puissance de Dieu sur Vitry-sur-Seine. Vous venez, nous allons prier pour vous, vous apporter la délivrance. C'est vraiment important parce que c'est déplacer le prophète, c'est des frères. C'est déplacer, aller vers vous, c'est des frères, hôtel, avion, peut-être, voiture, de TGV, tout ça, là, c'est compliqué. Venez et nous allons prier pour vous, pour que Jésus-Christ puisse vous restaurer. Et nous allons, n'est-ce pas, vous amener aussi à accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Voilà, tout ça, c'est très important. Parce que si vous n'êtes pas délivré, il sera difficile de rentrer dans la grâce de Dieu. Voilà, maintenant, je vais toucher un thème. Parce que je vais revenir encore vous parler de quelque chose de très important. Des aventures que j'ai vécues. Je tenais aussi à dire merci aujourd'hui, merci à n'est-ce pas, aux autorités françaises pour, n'est-ce pas, leur apport au travers, n'est-ce pas, de soutien qu'ils m'ont apporté. Parce que les gens, si vous ne considérez pas la vie de certaines personnes reste aussi précieuse. Voilà, c'est ce qu'on appelle la liberté. Chacun est libre de vivre sa vie. Voilà, chacun est libre de vivre sa vie. Si toi, tu vis ta vie chez toi, que personne ne te dit quelque chose, que tu es content, c'est comme ça aussi d'autres personnes ont besoin d'être libres. Les réseaux sociaux ne sont pas les moins, malheureusement, c'est les choses où les gens viennent insulter les gens à la con. Voilà, comme je vous disais, vous pouvez parler, mais je pose des actes. Voilà, et je ne sais même pas qu'est-ce qui vous anime dans le but de pouvoir me nuire, c'est-à-dire, vous avez cette haine de vouloir détruire un monsieur de ce genre-là. Un monsieur qui s'occupe des enfants qui sont en difficulté. Un monsieur qui se bat pour le suivi des gens. Un monsieur comme moi, là. Est-ce que j'ai besoin d'être détruit? Est-ce que j'ai besoin d'être, n'est-ce pas, vilipendé? Est-ce que j'ai besoin que vous, n'est-ce pas, complotez des choses dans le but de me nuire? Point d'interrogation. La vie, elle est précieuse. Donc, les autorités sont là pour nous protéger. La loi, c'est vrai que Dieu est là. Mais il y a certaines choses, franchement, quand vous affranchissez et vous arrivez dans le domaine de menaces de mort, c'est des choses déjà à prendre en compte. Parce que quand vous partez sur les réseaux sociaux et vous commentez déjà les trucs et vous rencontrez des choses sur la vie, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Quand vous rencontrez des choses, vous méritez d'être emprisonné. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la diffamation. Ouais, parce que peut-être que vous êtes ignorant, peut-être que vous n'êtes pas là à l'école, peut-être que vous êtes censé oublier la loi. Mais la loi, elle est faite pour tout le monde. La loi est faite pour tout le monde. La loi est faite pour tout le monde. On a vu un DJ qui a montré seulement la nudité d'un enfant sur Facebook, qui a montré seulement la nudité. Il pouvait le battre seul dans sa maison. Ça n'a rien fait à quelqu'un. Mais le fait qu'il a montré la nudité de l'enfant, il était en train de battre l'enfant. Il montrait sa nudité sur Facebook. Ça là seulement a suffi qu'il y ait un mandat d'arrêt contre lui. Donc le fait même de prendre mon image, le fait même de prendre ma personne, le fait même de venir
me salir pour rien, parce que il n'y a rien dans ce que vous dites qui soit vrai, voilà, pour rien. Mais attends, vous méritez d'une poursuite, parce que si moi je pose une plainte, parce qu'avec tous les éléments, les preuves à l'appui des diffamations à mon égard, et pour rien, pour une méchanceté gratuite, je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai fait, pour que vous puissiez avoir cette haine, je ne mange pas chez vous. Ce n'est pas votre papa qui me nourrit, ce n'est pas votre maman qui paie ma maison. Je ne m'occupe pas de vous, je n'ai jamais parlé de vous. Pourquoi vous levez, vous liguez, c'est ça le mot, vous vous liguez contre moi avec une haine, c'est-à-dire une jalousie haineuse de la sorte pour pouvoir m'exterminer. Jusqu'à ce que cette haine-là soit traduite, n'est-ce pas, dans vos langages. Et pour vous ne vous cachez pas, c'est ce qui est intéressant. Parce que j'ai voulu moi-même, là, j'ai pris Dieu pour savoir quels sont ceux qui sont contre moi. Et puis Dieu merci, je vous vois dans les vidéos que j'ai déjà toutes les vidéos. Je vous vois en train de commenter, j'ai tout ça. On a pris du temps de vous regarder. Pas parce qu'on n'a pas de langue. Quand on ne parle pas, pas parce qu'il n'y a pas langue. Mais on sait quelque chose. On ne répond pas aux imbéciles. On ne répond pas. La Bible dit, voilà, il y a des imbécilités auxquelles il ne faut pas répondre. Il faut agir. Voilà, il faut agir. Donc, on est dans une phase de maintenant de riposité. N'est-ce pas? On va riposter et cette riposte sera très grave. Vous allez répondre de vos actes. La loi est faite pour eux. Voilà. Ce n'est pas une question de prière où on met devant Dieu, il va agir. On essaie de recueillir tout ce qu'on pouvait recueillir. Et la justice sur son coup. Bah, discrétion oblige parce que c'est une question de justice. Je ne rentrerai pas dans certains détails. Mais à la fin, j'aurai l'occasion de vous dénoncer certaines choses. Donc suivez jusqu'à la vidéo, jusqu'à la fin. Voilà. À la fin. Parce que maintenant, l'heure est devenue grave. Ma vie est ma vie. Tu ne peux pas venir parler de ma vie privée. C'est ce qu'on appelle atteinte à la vie privée d'une personne. Atteinte à la vie privée, c'est un délit grave. C'est de 5 ans à 20 ans. De 5 ans à 20 ans. Voilà. Si vous ne voulez pas, si vous voulez être vivant en harmonie avec la loi, respectez aussi les êtres humains. Respectez aussi leur liberté. Respectez leur vie. Ici, les gens sont homosexuels. Quand tu touches un homosexuel ici, tu vas faire la prison. Ah non, je ne les aime pas, c'est les homosexuels. Tu viens parler même, insulter un homosexuel dans la rue. Il est homosexuel, ça n'en engage que lui. Il marche comme il marche, ça n'engage que lui. Tu viens seulement l'insulter, on t'attrape, on te met en prison. Donc, il y a des lois. Si vous ne respectez pas ça, que vous partiez atteindre à la vie privée d'une personne, mais attendez. Parce que vous voulez, pour vos ambitions personnelles, vous avez volé de l'argent. Vous avez volé de l'argent dans les croisades, dans les huiles, vous volez de l'argent. Et on le sait, vous avez volé de l'argent dans les trucs. Et c'est ça qui a fait que je vous ai chassé de ma structure. Voilà, donc c'est cette haine-là, vous êtes en train de traduire dans le but de pouvoir me nuire. Voilà, dans le but de pouvoir me nuire. Et vous avez monté des éléments, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas, aller jusqu'à même vouloir diviser l'église de Divo pendant que je suis, n'est-ce pas, en France. Mais laissez-moi rentrer. Et jusqu'à ce que vous dites encore sur les réseaux sociaux, vous allez jusqu'à m'attaquer, même en France, en Côte d'Ivoire, vous allez résoudre. Mais justement, merci, parce que par la grâce de Dieu, on a traduit tous les dossiers, n'est-ce pas, la juridiction ivoirienne. Dieu merci. Je ne suis pas n'importe qui. Non seulement ça, je suis une autorité, une personnalité publique. Je suis une personnalité publique. Non seulement sa personnalité publique, mais je suis quand même un père de famille, n'est-ce pas, un responsable qui a besoin d'une protection de l'État ivoirien, de l'État de la France, qui a besoin d'être protégé. Parce que quand vous me dites des menaces, et puis plusieurs, j'étais en Suisse, j'ai reçu plusieurs menaces. J'ai des menaces, j'ai tout ça ici. Tout ce que vous avez fait, on a tout récupéré. Dieu merci. Vous pensez que nous, on n'est pas bêtes. Vous parlez, on récupère, et puis c'est des preuves à conviction. Voilà, donc la justice suivra son coup, et Dieu merci. Très bientôt, vous allez répondre de vos actes. Et ça prie. Très bientôt, vous allez répondre de vos actes. Vous allez répondre sévèrement de vos actes. Et ça, on ne s'amusera pas. Et ça, c'est une belle leçon que je vais donner désormais aux gens. Celui qui va vouloir se lever parce qu'il a bu, il est saoulé, ou bien il allait se droguer, Guégui, là. Si tu as envie de fumer Guégui, c'est pour toi seul. Que tu fumes Guégui, et que c'est moi tu vois, pour faire buzz. Je te baise là, tu vas voir baise. Voilà, tu vas suivre la baise. Voilà, maintenant là, c'est comme ça, on va vous traduire devant la justice. Comme ça, vous allez répondre de vos actes. N'ayez pas, vous pensez que c'est pas du bluff, hein? C'est pas du bluff ce que j'ai dit. C'est pas du bluff, c'est pas amusement ou c'est à faire des coupés, décalés. Non, hein? C'est pas de l'amusement, c'est sincère ce que je suis en train de dire. C'est une question de temps, parce que la justice c'est comme ça. C'est comme ça. Très bientôt. Ma vie, c'est ma vie. Attends, je suis obligé de vous parler de ma vie. Vous mangez chez vous là-bas, vous embrassez vos femmes. Ça me dit quoi?
Pourquoi c'est ma vie qui vous intéresse? Voilà. Donc, on a traduit les choses, mais à la fin, je dirais beaucoup de choses. À la fin, c'est vous seulement qui voulez nuire les gens. C'est-à-dire, vous avez l'esprit de nuisance. Vous êtes expert en vouloir nuire. C'est-à-dire, c'est quel esprit ça? C'est quel démon ça? C'est quel démon vouloir forcément nuire aux hommes? Vouloir forcément détruire la vie des gens? Vouloir forcément anéantir quelqu'un? Vous avez cette haine. Oh, la personne ne s'occupe même pas de vous. La personne fait son travail et vous, vous voulez seulement faire du buzz, rencontrer les choses à la con. Moi, je travaille. Voilà, je travaille comme je disais tout à l'heure, on a fait un point à Divo. Je n'ai pas besoin, voilà, je travaille. Et aujourd'hui, des menaces de mort, pourquoi? Rien, j'ai rien. Parce que vous étiez en train de voler de l'argent dans le ministère. On vous a simplement dit, mais retirez-vous du ministère. Et ça, vous avez traduit ça autrement. J'ai déposé tout devant la juridiction française. Les choses seront que vous allez dire, ah, affaire de l'homme de Dieu. Je suis d'abord homme, et puis de Dieu. Donc, affaire de homme, on va régler ça. Et puis Dieu, maintenant, va régler pour lui. Homme d'abord, et puis Dieu. Voilà, maintenant, ça va servir de leçon à beaucoup de gens. Celui qui va s'élever, je ne m'occupe pas de toi. Si tu as envie de faire ton buzz, va dans ton salon. Le jour que tu auras affaire à moi, maintenant, je vais me révéler à vous. Voilà. Parce que maintenant, trop, c'est trop. Maintenant, trop, c'est trop.